Diana was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. Source, la fille est à Chicago. Moi et les gars, on y va dès que possible. J'ai besoin de toi pour superviser l'opération. Alors, t'en dis quoi? Wade? J'ai entendu. Vous voulez que je récupère une fille? Elle s'appelle Victoria. Dom t'appellera pour te dire où la trouver. Elle se cache quelque part. T'as compris? Eh ben, sacré remue-ménage pour une fille. Elle doit vraiment être spéciale. J'emmène les gars. Ça veut dire qu'on double tarif. Prends Lenny avec toi. Il la ramènera quand tu l'auras trouvée. Lenny? Lenny n'a pas de folle. Alors on triple. Ce gamin que tu me plais. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Ok. Lenny, amène-toi et donne-lui du feu. Pas de folle. Lenny la pas de folle. La ferme, Wade. Je l'aime bien, ce vieux Wade, ouais. Moi, il me file la chair de poule, ce salaud. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Lex Dexter est un salopard de la pire espèce, c'est clair, mais le type dont tu dois vraiment te méfier... C'est son informateur, Damos Mod. Le proprio du Dixon Club sur Bristol Street. Ce type est un vrai fils de pute, si j'en connais un paquet. Il est malin et il a un bon réseau. Il faudra que quelques jours, pas plus, pour retrouver la fille chez les bonnes sœurs. Comment sais-tu pour l'orphelinat? Si Chicago le sait, alors je le sais. Et pour Dom, c'est la même chose. Envoie-moi sa photo. Maintenant que t'as tous les flics de Chicago au cul, le plus sûr chemin vers le Vixen Club, c'est les tunnels à côté du Roxy. Bonne chance. Hey, c'est Squeaks, et bienvenue dans la suite de mon let's play d'Hitman Absolution. Alors, comme vous avez pu le voir hein, dans la cinématique qui vient d'apparaître, enfin, que vous venez de voir tout simplement, eh bien, notre cher ami Blake Dexter a demandé à son homme de main, donc Wade, d'aller chercher Victoria. Et donc, du coup, on va commencer par neutraliser l'informateur de Wade, qui est Dom Osmond, le propriétaire du Vixen Club. Pour rejoindre le Vixen Club, on va pas avoir 50 000 options. On va devoir passer par les tunnels sous le Roxy. Voilà. Alors, c'est un niveau qui est très long, hein, tout d'abord, donc voilà, je vous préviens, ça va être vachement long. C'est en plusieurs parties. C'est en plusieurs parties, mais vous allez voir, c'est assez long. Et puis, il y a plein de passages assez chauds, assez délicats, donc voilà. C'est pas un niveau facile, hein, loin de là. Donc là, on va y aller tranquillement, les premiers gardes hein, sont juste là-bas. Aussi, des petites choses, je suis passé à la manette. Pour le contrôle, c'est plus pratique, je trouve. Et aussi, je suis en VF. Il y a eu un bug, je préfère la VO, hein. Les voix, je déteste ça, mais impossible de remettre la VO. Bon, dommage. Puisqu'en fait, avant, j'avais les textes en français et j'avais
en voix, j'avais la VO, donc voilà, j'essaierai, hein, c'est un petit truc. Donc voilà, le flic se barre, on va en profiter pour passer juste derrière lui. Pendant qu'il s'extasie sur des cadavres de chats. Eh oui, c'est très dark comme histoire, Hitman. Hop, alors on a activé le point de control et on va attendre tout simplement que nos chers amis se barrent. Voilà. Tac, tac. On va y aller tranquillement. Et voici le premier passage galère. Hop. Donc là, le truc, hein, ça va être tout simplement de s'échapper par là. Vous voyez, hop, les tunnels à côté du Roxy sont là. Puisqu'on a tous les flics au cul, hein, comme d'hab. Du coup, là, on va aller de voiture de flic en voiture de flic. Et là, voilà, on va essayer de choper cette voiture-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve dessus et ça rapporte des points, points. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre que le flic, les deux flics-là ne regardent pas dans cette direction, bien entendu. Et ça va le faire, tout simplement. Nickel. Hop, on va récupérer la preuve. Ainsi que les munitions, au passage. On va changer d'abri. Alors on va attendre que le policier ici, voilà, se soit barré. Pour pas qu'on nous chope. Hop, voilà, il va tranquillement retourner d'où il vient. Nickel. Paf. Et paf. Voilà, donc là c'est un peu galère, hein. Vous voyez que je galère un petit peu. Bah oui. C'est pas aussi facile que ça en aller, hein. Je vous promets. Hop, voilà. Et là, voilà, là on est très bien posté. Vous voyez, il y a la sortie, mais vous voyez, j'ai un peu galéré, hein, pour passer entre les bagnoles et tout. C'est pas facile. Vous voyez, il y a plusieurs petits passages chauds comme ça. Hop, donc là, on va lui passer derrière. On va descendre ici. Et voilà, c'est nickel. On est devant la sortie qu'on peut crocheter sans aucun problème. Et vous voyez, on a déjà le rang ombre. Qui est celui juste en dessous, le Silent Assassin, le plus haut au rang, et c'est ce qu'on vise. Hein. On vise le Silent Assassin. Alors, sachant que Silent Assassin, faut vraiment pas se faire repérer, quoi. Donc là, hop, on va aller là. On va essayer d'entrer dans le Vixen Club. On va profiter que le flic s'occupe avec les videurs, comme ça, on va pouvoir passer ici, entrer par cette fenêtre. Hop là. Voilà, on va prendre la preuve, encore 1500 points. La carte d'accès qui va nous servir. Et aussi le pistolet silencieux qui va nous servir. Hop, on va cacher tout ça. On va aussi prendre une bouteille pour les diversions. Vous allez voir après pourquoi. Hop, pareil, on n'a pas besoin de montrer au monde entier qu'on se balade avec une bouteille. Ça fait bizarre. On s'approche de cette porte. Profite que le videur soit occupé. Et nous voici dans le Vixen Club. Où je pense que vous avez compris de quel club il s'agit. Hein ? Rien que la voix de Birdie est pourrie en VF. Ah là ! Prenez-en plein les yeux. C'est fait exprès. Donc notre cher ami Dom, il est là, hein, c'est le patron du club, bien entendu. Hop, donc voilà, il est en train d'engueuler un de ses videurs. Hop là, on va passer à côté de cette demoiselle. Et... ouais... t'es bizarre, toi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, la carte d'accès nous a servi, en fait, pour accéder dans cette salle. Et je pense que vous allez deviner ce qui va se passer. La cible est en train de se déplacer. Alors, faites bien attention à venir ici tôt. À venir avant que la cible arrive, parce que sinon, ça va être trop galère. Il y a le videur, en plus, qui surveille. Donc, voilà. Il faut vraiment venir avant que la cible arrive. Donc, ça, il s'agit d'une vitre sans teint. Hein. Logiquement.
Hop, on a des mouchoirs, on a une caméra. D'ailleurs, l'angle est totalement pourri, je vois pas ce que tu filmes avec. T'as la tronche du truc, bon bref. Ah, fais-moi ton numéro. Du coup, je n'ai pas les sous-titres apparemment. Voilà, il est là. Le bug. Ah, c'est bon. Voilà, hein, vous avez quelques secondes de striptease, de private striptease gratuit, hein, comme dans GTA. Sauf que là, c'est, vous êtes à la place du voyeur. Donc, vous voyez, vous pouvez rien tenter là. D'abord, il y a la stripteaseuse, et puis ensuite, il y a le videur là. Donc, surtout pas. Ici, ne tentez rien, on va attendre un petit peu. Que le moment opportun arrive. Voilà. Tac. On va prendre le pistolet silencieux. On va attendre que notre cher ami se barre, ainsi que le videur. On attend que tout retombe, voilà. On a le temps, de toute façon. Boum! Ah ah! Et voilà, assassin silencieux. C'est vraiment le plus beau kill qu'on peut faire, je pense, dans ce club. Et c'est vraiment un kill absolument extrêmement jouissif. Hop, donc faites bien attention aussi à tirer par le bon côté, le corps, pour pas que vous vous retrouvez derrière le rideau. Parce que là, c'est mort, hein, vous pouvez tout recommencer. Hop, vous pouvez aussi prendre la carte d'accès si vous ne l'aviez pas déjà. Et voilà, on ressort fièrement. Alors ensuite, on va avoir notre nouvel ami ici. Hop, vous allez voir. Tac, on va vite s'accroupir. On va passer derrière lui et hop là, on va le choper. Alors attention, hein, il faut vraiment être au taquet, parce que sinon il va se retourner et vous ne pourrez pas le choper comme ça. Voilà, là je le chope. Alors je perds quelques points. C'est pas si grave. Alors les mecs derrière sont à fond, mais normalement ils ont rien vu. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, ça ne va alerter personne, ne vous inquiétez pas. Donc là j'ai le costume de videur qui va me servir énormément en fait pour la suite. Ensuite je vais aller chercher ma bouteille de tout à l'heure. Puisque voilà, donc on a la sortie et ils disent voilà, il y a une zone réservée. En fait la sortie est là-haut, hein, il suffit de monter et puis d'y aller. Sauf qu'en fait sous l'escalier il y a un videur, il y a des gens qui surveillent. Et du coup on va le virer avec le coup de la bouteille, hein, bien connu. On va lancer la bouteille par là. On va fermer la porte. On va attendre que notre ami ait l'obligeance de se barrer. Voilà. Allez. Salut. Voilà, ça c'est quand même ultra badass. Hop là. Hop. On a trouvé l'entrée, on crochette et on va passer dans la prochaine partie. Donc je vous rappelle, hein, le niveau est long. Hein. Le niveau est long. Hein. Vous ne croyez pas que ça va uniquement se cantonner au Vixen Club. Hein. Pas du tout. Grosse erreur. Donc là vite on va se cacher derrière le canapé. Donc même si on a le déguisement, voilà, moi je ne cours pas le risque. Hop là, on va passer là, hein. Ce sont que des simples stripteaseuses, ça vont pas vous manger. Hop là. Et voilà, nickel, il n'y a personne à cet étage. Et on va pouvoir trigger la suite. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'argent? Non. Hitman n'est pas intéressé par l'argent, c'est bien dommage. Hop. On écoute. Ouais, c'est Wed. J'ai envoyé mes gars accueillir le mec qui se fait appeler Birdie. S'il bosse avec le tueur, on va devoir le mettre en cache, cet oiseau-là. Rappelle-moi quand vous aurez localisé la fille. Dexter pense qu'il y a une tonne de fric à se faire. Et j'ai bien l'intention de toucher ma part. Allez, salut. Tu avais raison. Dom était à la recherche de Victoria. Je l'ai eu juste à temps. Toujours aussi efficace, bravo. Il en avait aussi après toi.
Un homme est en route. Il s'appelle Wade. Oh non, mec! Ce type, c'est un putain de cinglé! Il va falloir que tu rappliques vite fait ici, parce que je sens que ça va être un gros merdier. Je te rappelle, putain. Gigantesque merdier! Le mec a essayé de se rattraper, hein. On voit quand même la beauté de la VF. Un beau merdier. Oh, un gigantesque. Oups. Donc là, un immeuble en ruine. Des flics. Hein, voilà. Simple. Hop, on passe là, on passe là, on passe là. On les évite, hein. Ouais, on n'est pas non plus un malade. Il faut aussi se dépêcher. Parce que si on se dépêche pas assez, ils vont commencer à faire leur ronde. Or, c'est pas ce qu'on veut. Hop, voilà, on va se mettre là. On va se mettre bien. Tac. Tac, on active le point de contrôle. Et ensuite, on va monter au rebord. Tac. Et voilà, hop, on va arriver en haut. Et voilà, la stripteaseuse disparue, justement. Il y a toute une affaire, bon, je pense que vous en avez vu un petit bout, genre il parlait d'Hawaï et tout, voilà, il y a une affaire avec une stripteaseuse disparue. Elle est là, on va leur mettre sous le nez, hein, comme ça, ils auront des choses à raconter au commissariat, et moi je vais pouvoir passer. J'aime bien parce que t'as les dialogues qui se rencontrent, ça donne n'importe quoi. On va attendre que le flic ici se barre, pas non plus fou. Voilà, ils sont tous gros d'ailleurs ici, je sais pas pourquoi ils ont mis tous les gros au même endroit. Ça troll. Hop, là on va foncer tout de suite dans l'armoire. You will see why. Parce que dès qu'on arrive ici, on va trigger un événement, et donc c'est le flic qui va descendre. Voilà, vous voyez, là, on voit sa lampe torche. Et là, si vous êtes là, il faut vraiment vous planquer dans l'armoire, parce que sinon, vous n'avez aucun endroit où vous cacher. Le flic va chercher partout. Ouais, il cherche dans tous les recoins. On va tranquillement attendre, hein. On a notre temps. On a le temps, c'est... Y a pas de problème. Voilà, il va arriver par ici. Il va regarder par-dessus ça. Tu ne me vois pas. Nom, 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 nom. On va attendre qu'il s'éloigne encore un petit peu. Voilà, nickel. Hop, on va sortir et on va monter l'escalier. Et pas en mode attruche, voilà, en mode humble. Hop. En mode badass. Hop, on va prendre le rebord. Bum, 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 bum. Voilà, vous pouvez constater que j'ai gardé le... Birdie, je retourne le déguisement. Cache-toi et surtout ne fais pas de vagues. Pas de vagues ? Facile à dire pour toi. Ce type là, Wade, il paraît qu'il est du genre créatif pour faire parler les gens. Et tu sais comme moi que j'ai plein de choses à dire. Alors manne-toi. Birdie, reste calme. Ouais, ouais. Il va falloir plutôt se grouiller. Donc je disais, voilà, j'ai gardé ce déguisement. C'est vraiment une très bonne opportunité. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Faut pas descendre, hein, ça paraît logique. Hop, on va se mettre là. Voilà, ça va être trigger cet événement là. Le flic va se barrer, on va pouvoir passer devant. On va passer sur la poutre. Poulum, palum, palum. Tranquillement mais sûrement. En étant mouillé jusqu'aux os. Hop, on prend le rebord, on attend. Que cet homme se barre, hop, on rentre. Voilà, vous voyez que toutes mes actions hein, sont timées, c'est pas pour rien, hein, parce que certains déplacements sont aléatoires dans Hitman.
Et il faut plutôt faire gaffe avec ça. Depuis combien de temps vous la préparez, là. Celle-là? Elle m'est venue l'année dernière. Je me suis même relevé pour l'écrire. Je voulais être sûr de pas l'oublier. Là aussi, il faut faire gaffe aux positions des cuisiniers. Parce que ça change assez vite. J'en ai profité pour aller pisser, je te rassure. J'en suis à 3 fois par nuit maintenant. Crois-moi, gamin. Hop là. Merci du conseil, mais j'ai jamais eu l'intention de finir comme un des proutos. Vous avez un permis pour certifier l'article. Voilà, donc là on nous donne une possibilité hein, qu'on va bien sûr saisir. On va allumer les feux d'artifice. C'est juste mon boulot. Faut reconnaître que ça fait beaucoup de poudre. En tout cas, si vous voyez un homme répondant à cette description, prévenez-nous tout de suite, compris ? Donc là, il y a le flic qui drague, hein. On va pas dire le contraire. On va fermer la vanne des extincteurs automatiques et ça va être la merde. Hein. Ici, tout le monde est parti. On va se rendre ici. Allumer ça. Et ça va être la merde. C'est parti. Là pour l'instant ça explose. Et après va venir la magnifique, la fantastique, la fumée. Elle est là. Et donc avec l'instinct on va pouvoir voir les personnes. Alors attention, hein, faut pas non plus si vous mettez à leurs pieds, ils vont vous voir, hein, faut pas non plus déconner, je veux dire. Donc peut-être qu'ils voient que dalle, mais voilà, si vous mettez à leurs pieds, ça ne fonctionnera pas. Donc lui. Il se barre. On va passer là. Donc voilà, ça c'est la solution facile parce qu'il y a des flics partout de l'autre côté du magasin. On va se planquer là. Nickel. La sortie est juste ici. On va attendre que tout ça se trigger. Tu m'étonnes. Donc on va passer là. Là, donc tous les flics sont là, on va pas les voir. Pas non plus suicidaire, et c'est parti. Tu m'écoutes pas, ma chérie. On avance la sortie. Oui. Non, je suis pas fou. Je sais pas pourquoi ils ont mis un truc comme ça. Peut-être que c'est une référence. Je viens de vivre une expérience. Attendez, on va écouter. Lol. Le mec est complètement malade. Hop. Donc là, attention, ce n'est pas encore la sortie. Hein. Faut pas non plus déconner. Donc, je pense que vous avez compris maintenant qu'on sera à Chinatown. Oh, j'ai failli me faire avoir. On va passer là, là, là. On peut même récupérer une bouteille. Hop, on attend que le flic ait fini son inspection. Mais c'est ma voix. Et j'y peux rien. Est-ce que ça va ? Ça aussi, c'est une référence à quelque chose. Et les voix à la con. Hop là. Donc là, on va attendre que le policier revienne par ici. Hein. Vous allez voir, il fait une trajectoire en L, en fait. Voilà, vous voyez la petite ligne de flamme. On va passer derrière. Attention, parce que là, c'est vraiment tricky. Ouais, hop. Dans un autre mode de difficulté, je me serais fait choper, là, pour le coup. Paf. Paf. Donc là, voilà, dans les autres modes de difficulté...
Vous faites pas chier, vous utilisez des. Vous utilisez tout simplement des diversions à base de bouteilles et autres joyeusetés. Et puis voilà. Alors là, je vais essayer de le faire bien parce qu'on peut le faire rapide en allant à cette porte, sauf qu'il faut quand même la crocheter la porte. Donc on va faire attention. On va faire en sorte, voilà, que les flics se barrent ici et on va être tranquille pour crocheter. C'est possible, hein, de le faire directement, mais voilà. C'est assez tricky. Vu que les déplacements sont un peu aléatoires, vous pouvez vous faire choper. Et voici. Oh merde, ils sont là! Trois types de Wade, ils sont là! Et ils posent des questions! Ils vont me voir, c'est sûr, ils vont me repérer! Il faut que tu me sortes de là, mec! Il le faut, je t'en prie! C'est dans ton intérêt! Birdie, concentre-toi. Reste calme. Ne fais rien d'idiot, je m'en occupe. On y va! Nouvel an chinois! Yeah! Donc là, on va devoir tuer 3 mecs. Et donc la difficulté, c'est que en plus de tuer les 3 mecs, il faut éviter les flics. Donc ce qui est bien, c'est que grâce à un déguisement, eh bien, les flics ne nous repèrent pas. Si vous aviez donc voilà le costume de base de Hitman, ça va être assez compliqué. C'est possible hein, d'éviter, mais déjà c'est compliqué de passer le club de strip hein, sans passer avec le déguisement. Mais c'est possible. Et donc là, voilà, là, c'est ça nous facilite grandement les choses. Le flic, vous voyez ici, ne me voit pas. Il y en a partout. Hein. Donc là, on va simplement suivre les 3 cibles. On va les éliminer de différentes façons assez amusantes. C'est sympathique. Hop. On va passer là. Donc en fait là ce qui va se passer, il va prendre un mec pour l'interroger. On va activer ça. Et nous ce qu'on va faire, c'est ça. Donc ce que vous pouvez faire aussi, là moi j'essaie d'autres trucs un peu plus qui vont me donner un peu plus de points, mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rester là-dessus. Vous attendez, donc ils vont arriver par ici. Hein. Pourquoi je les ai pas suivis? Bah, simplement parce qu'il y a un flic ici, on le voit pas. Mais il y a un flic. Donc faut faire gaffe. Donc vous pouvez tout simplement vous mettre ici, puis le flinguer après. Sauf que moi, voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de points, vous allez voir. Mais voilà, hein, ce que je viens de faire, ok, assez de timing quand même, de savoir ce qu'on fait. Pour avoir le plus de points, c'est comme ça qu'on fait. Bon. Si je te dis Birdie, qu'est-ce que ça t'évoque? Vous voulez du poulet grillé? Mauvaise réponse. Ok, connard. Plus mauvaise blague de merde de l'histoire. Où se cache le type qui se tape les Birdie? Et son copain chauve, hein? Allez. Ici. Ah, 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 voilà. C'est quand même plus classe. Voilà. Élimination caractéristique, on devient professionnel directement. Et c'est plutôt classe. Ouais, mais voilà, ça requiert du timing et c'est un peu plus galère quand même. Donc ensuite, on va se diriger vers l'autre. Alors ce que vous pouvez faire aussi ici, alors attendez, je reviens là, c'est allumer ça, tac. Comme ça, s'il y a un des mecs qui vient pisser ici, il va mourir. Électrocuté, ce qui est plutôt classe. Alors, où se trouve le prochain? Il est là. On va le suivre, écoutez. Voilà, il est là. Donc juste après, il va s'engager ici dans cette ruelle, vous allez voir. On a un peu de temps devant nous. On est donc caché ici, la cible arrive, elle progresse. Elle progresse, vous allez voir, elle va se montrer très prochainement, voilà, elle est là, ici. Bill Dowell. Tac, on va sortir. C'est moi. Et on va le tuer.
Voilà, c'est pas une élimination caractéristique, c'est dommage. Mais voilà quoi, ça fonctionne. Surtout si on cache le corps, on a des petits pots en plus. Donc on les prend. Mais voilà. Sinon, pour avoir le plus de points, faut vraiment longtemps attendre qu'ils viennent pisser contre le truc électrique de tout à l'heure. Vous pouvez avoir de la chance, avoir un bon timing, vu que c'est assez aléatoire. Et du coup, il va pisser sur le truc électrique tout de suite. C'est tout à fait possible. Ouais, je vous le dis. Et on va ensuite aller se diriger vers le dernier qui est à côté de la sortie aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en dernier. Donc là vous êtes incognito avec ce déguisement, c'est vraiment génial. Personne ne se demande ce que vous faites là. Tu sais, genre il y a un videur ici, ouais ça va. Je suis juste à un club qui est à plusieurs kilomètres d'ici, mais sinon ça va. Donc voilà, par exemple, si vous n'avez pas votre déguisement ici, très très utile, le flic va vous voir ici. Il va vous voir. Hop, là on va escalader. Tac. Et tac. Là, j'ai choisi la solution, le timing. Hop, on va saboter la pompe à essence. Pareil, timing avant tout. Et voilà, on est bon. Parce qu'en fait, sinon on attend que lui arrive et lui va pouvoir vous repérer. Donc le truc, c'est voilà, il faut attendre qu'il tourne, qu'il parle au flic ou quelque chose comme ça pour passer. Ensuite ici, j'ai ouvert la pompe à essence, vous allez voir, ça va être très drôle. Vous voyez, il a un cigare. Il y a plein de monde dans la rue. Il y a des feux d'artifice à côté. C'est toi qui paye. Combien de l'abdance ? Le mec négocie. Avec champagne ? Waouh ! Pas mal. Tout ça pour retrouver ce birdie, hein ? Ok, marché conclu. Il peut préparer les glaçons. Ça y est, il vient de se tourner. On va passer et vous voyez, ça vient d'exploser là-bas. C'est assez épique et du coup, il va mourir. Il est mort. Ça y est, assassin silencieux. 171 000 en Key Chinatown. Et voici la cutscene. Avec le cowboy, ce type a pas l'air comme je te le dis, moi. Je crois qu'ils allaient vers le centre. Une balle. L'heure tourne. Et voilà. Apprécié quand même. 320 940. Continuez. Voilà, donc j'ai pas eu le bonus, enfin si j'ai eu l'assassin silencieux, sauf que là il me l'a pas compté, enfin je suis en nombre là, bref, parce que bon, j'aurais pu gagner un peu plus de points, notamment avec le videur, voilà, j'aurais pu ne pas le tuer, enfin je l'ai pas tué, sinon vous aurez perdu beaucoup plus de points si vous tuez une personne, donc voilà, je l'ai assommé, j'ai pris son déguisement. Ce que j'aurais pu faire pour gagner plus de points, donc c'est passer par l'autre côté, mais c'est un peu plus compliqué et toujours aussi tricky, donc voilà, on fait gaffe. Et ensuite, c'est aussi l'élimination, hein, j'aurais pu attendre qu'il aille pisser, mais bon, la vidéo aurait duré 3 heures, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, hein. Je vous rappelle que c'est un let's play gaming, que je le dis à chaque fois, coup de flamme par exemple, comme succès, contrôle des dégâts. Je voulais vous dire donc
que voilà, ça permet de changer un peu l'image, l'image de la chaîne. Parce que voilà, on est plus sur, sur Minecraft. Et moi, ce que je veux aussi, c'est pouvoir faire du gaming. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour la suite du Let's Play d'Hitman. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, bien entendu. Et puis voilà, je pense que je ferai ça en fin de mois, hein, voilà, genre la quatrième semaine dans mon planning, voilà, je ferai ça tranquillement. Je vous sortirai une vidéo d'Hitman, peut-être plus, hein, on verra. C'est assez compliqué à faire quand même, un let's play d'Hitman. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squeaks.